Yay. Ah, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Il fait vraiment frais ici, il y a un vent qui a soufflé. Et le vent qui a soufflé, ce n'est pas un bail qui est doux. Donc, nous avons compris que ça met là un gros frais là. Et bon, j'espère que nous entendons moins. Je vais déraper avec ces. Si je suis entendu, Réginal Jaoul, qui est déjà branché avec nous. Et. Oh, couillou. On va déraper là. Mais je dis à grand point cap domine actualité à Junior. Eh bien, on a dit que c'est d'abord situation en Moyen-Orient. Côté la misère, elle continue à pilonner et territoire Gaza. Dans un moment, il faut faire pour que l'assistance humanitaire et la jeune population, mais toute demande continue à faire tout pour elle, dans quelle mesure capable. Et demander, ou bien encore dans quelle mesure capable, Israël capable de réduire sous. Et quantité de dégâts l'a fait parmi la population civile là. Comme ça, les États-Unis, ensemble avec plusieurs autres pays, mettaient ensemble tout pour mettre une flotte et protection dans la mer Rouge là pour protéger les bateaux qui transportent marchandises et dans la capacité dans la zone que rebelles ou tio a attaqué. Donc, les États-Unis prennent tête pour tout. Et donc, il y a une flotte qui a mettait là avec plusieurs pays. Normalement, qui a intérêt et qui va l'installer dans une zone pour protéger les bateaux commerciaux qui transportent des marchandises dans plusieurs côtés à travers le monde, mais qui utilisent la mer Rouge là, le Red Sea, pour transporter des marchandises qui sont de l'autre côté. C'est ça lié. Et puis, nous avons une mauvaise nouvelle pour nous tous. Et donc, il y a un secrétaire d'État, le ministre de la Défense américain, lors de Saint-Guité en Israël, il a rencontré avec responsable. Et puis, il y a même mon côté de la part la responsable, et puis, monsieur soldat Israël de la guerre qui est monté dans Cisjordanie, côté au moins une vingtaine de monde pour pipiti. D'après ça, ministère de Santé et territoire Gaza qui est en contrôle, groupe Amasa. Déclaré dans la presse. Dans l'autre nouvelle, nous avons dit que ici aux États-Unis, il y a les Nations Unies qui ont voté jeudi à une résolution que le pays arabe n'a pas tourné. La résolution a été votée hier, mais pour une raison quelconque, il a été envoyé jeudi. Et ça a fait jeudi à même. Et sur une résolution justement pour moi de cesser le feu dans le territoire Gaza pour permettre l'assistance humanitaire de rejoindre Mounio. Et puis, ouais, si tu as joué, on sait cesser le feu permanent. Mais Israël dit qu'il n'y a pas de cesser le feu tout autant il n'y a pas démantibilé et groupe rebelle et groupe et militant Hamas qui pour eux-mêmes représenter et une menace pour Israël. Donc, ils voulaient que ça va arriver, mais il y a un débat qui a fait tout. Qui, si je l'ai pas dit, après guerre, les États-Unis voulaient que pour que dirigeants, organisations palestiniennes, ça a été autorités palestiniennes, et faire préparatif pour contrôle territoire qui part sous l'obédience et Hamas, mais Hamas était croisé. Et autorités palestiniennes en 2007, ils ont pris contrôle territoire. Donc, mais les États-Unis ont supporté l'idée pour que les autorités palestiniennes reprennent le contrôle du territoire encore. Donc, c'est un dossier qui est toujours là. Et donc, les Nations Unies ont voté sur le livre, les Nations Unies ont tout fait débat tout sur Haïti. Il y a un dossier qui a été discuté surtout sur les forces multinationales qui sont en Haïti, qui sont en sécurité, tout est toujours dans le calendrier de discussion. Nous allons avoir une nouvelle ça avec Valéry Saint-Louis depuis New York, qui va nous donner plus d'informations sur la situation là. Et gouverneur Texas, là. Mes amis, immigrants, compatriotes, nous-mêmes qui au Texas, nous-mêmes qui sommes l'autre bord frontière, en tout cas, gouverneur Texas, lui-même, l'Italie dans Brownsville, côté le signe, une proposition de loi sur l'immigration qui baille autorité, qui baille force de l'ordre, autorité, pour arrêter tout le monde, et tout immigrant que tu as suspect. Qui t'a entré au Texas à travers frontière illégalement. Qui t'a traversé sous le Mexique, entré au Texas et qui t'a va au Texas illégalement, donc qui va autoriser le droit pour arrêter. En même temps, toute proposition loi sale que le gouvernement ancien, que les SB4
USB 4, USB 3, c'est trois positions loisirs, mais il baille tout juge, autorité tout pour d'abord arrêter Mando et pour retourner au Mexique ou il faut retourner au Mexique. Selon sous parler retourner, eh bien cette personne est capable de varier en 6 mois à 20 ans de prison. Donc sous récidive, sous récidive, donc ça veut dire que si vous retournez encore pour encore, eh bien une choc monté sous 180 jours à 20 ans de prison. Mais surtout, le juge a demandé pour retourner, pas d'accord pour retourner, pour retourner, non, alors pas d'accord pour retourner, eh bien, on va passer jusqu'à 20 ans de prison. Cependant, pour son loi, il n'y a pas d'agent de l'ordre d'autorité pour entrer à l'hôpital, arrêter les gens, dans l'école, arrêter les gens, et on sait de côté. Cependant, agent de l'ordre qui est entré dans l'université. Donc c'est limitation. Donc son proposition loi, une loi que le gouvernement a signé, qui va faire face avec un série de défis légaux, parce que en principe le gouvernement fédéral doit lui-même aller dans le tribunal avec, parce que c'est pas droit, c'est loi qui dépasse, c'est pas le gouvernement fédéral, c'est lui qui occupe des questions d'immigration. Cependant, le gouverneur de Jassa, Greg Abbott, lui-même l'utiliser un article dans la Constitution pour dire que les gouvernements fédéraux, là, t'as un Jean-Famé Gilles, mais négligé l'État, qui t'a gagné des difficultés dans le niveau frontière, eh bien, il y a un article là-dedans qui bat l'État droit lui-même pour prendre des dispositions pour protéger propre tête. Donc, c'est sous ça que le gouverneur Abbott déclaré, sous base ça, il peut prendre décision. Parce que ce n'est pas la première fois que le gouvernement a besoin de problèmes. Par exemple, il dit que tu as mis des barricades flottantes dans le fleuve Rio Grande. Eh bien, le gouvernement a un appel avec le demandé pour te retirer. Mais comme c'est ton coup d'appel qui demande pour te retirer, c'est ton parti dans le coup d'appel, c'était toi même qui demandais, et le gouvernement a demandé qu'il livré que tout ce coup d'appel a voté sous décision et laisse ça la décision pour le faire. Cependant, ils votent l'autre, dans la même proposition de loi que le signe, ils votent l'autre, 1,5 milliard de dollars, l'argent pour construire une partie dans la muraille qui est déjà en construction, et maintenant au niveau État Texas. Donc, le dossier n'est pas facile du tout, donc ce dossier est à suivre. Mais militants, les gens qui défendent les immigrants, et bien, ils ont même tout, ils parlent pour aller dans le tribunal avec le dossier ça, pour aller justement discuter le dossier. Pour être dans quelle mesure capable de renverser la décision. Mais c'est doit être étayé tout lui-même tout pour lui prendre des positions. Mais cependant, il faut qu'il pas en conflit avec la décision que c'est le gouvernement fédéral qui va prendre et c'est là que le problème est. Donc, tout militant qui parle sur ça, il dit lui-même, il peut aller, il y a une association, un syndicat, il peut aller dans le tribunal avec la décision du gouvernement à prendre pour lui. Et avec trois positions royales signées. Et exactement et lundi 18 décembre, c'était occasion journée internationale immigrant. Donc c'est l'histoire qui est symbolique. Et là, exactement, on côté qui grand pile immigrant, qui grand côté immigrant utilisé en pile pour traverser surtout dans la zone Brownsville, qui est dans la zone tout près Matamoros. Donc c'est là et puis il y a l'autre situation tout et que autorité a négocié et président Joe Biden qui lui-même dans l'autre négociation avec Congrès sur affaire de l'argent que le besoin pour lui financer guerre Israël a mené contre les militants massifs avec Ukraine qui a mené contre la Russie et bien Congrès a lui demandé il faut qu'il prenne des mesures pour que lui d'abord et réparer ou bien encore et modifier la loi façon que les États-Unis accueillent les réfugiés la Cali façon que le bail asile et puis l'argent tout pour sécuriser frontière. Donc et selon tout ça qu'a discuté qu'on a la maison va en grande discussion avec Congrès donc il a semblé que il y a possibilité pour que la maison va céder quelques obligations que ça a que gain pour le capable jeune demande qu'elle fait congrès pour que le jeune agent pour que acheter des armes pour aider financer pour bail et là aussi pas là aussi pour bail et Ukraine pour Ukraine capable jeune armes pour capable gommer avec et là aussi et tout comme pour que Israël jeune armes pour lui-même battre avec Mita Masso, même là que les États-Unis de l'autre côté l'a voyé assistance humanitaire bail et population
population dans Gaza. Et puis en Haïti, bon, et premier ministre Ariel Henry était reçu à la grand commis de l'État et lundi 18 décembre, non. Genga lui-même qui lance appel que pour demander pour les efforts qu'il faut faire pour empêcher ou bien encore pour empêcher Haïtiens de pas risquer la vie, de chercher la vie de l'autre côté. C'était surtout les immigrants haïtiens. Donc, il y a des efforts qui font fait beaucoup de gouvernements et d'autres secteurs pour permettre que les immigrants aient la carrière et qu'ils puissent chercher la vie de l'autre côté. Donc, gain tout et premier ministre nous qui sur les grands comités d'État employés, on sait de personnel et gain tout ministre surtout tout à saluer premier ministre en cas en fait là que le défenseur basal de mais en défenseur basal de recevoir et patron média de recevoir et corps diplomatique là de recevoir même secteur d'affaires là. Mais dans la déclaration que le ministre a fait, il dit que l'année 2024 après une année de construction, une année côté pour construire et infrastructure pays qui était détruite en occasion de tremblement de terre 2010 là. Donc il dit que c'est année ça et ça pour le faire et tout comme tout pour construire l'école tout à partir de fonds pour éducation nationale là que nous rappelons que même qui dans la diaspora chaque fois où on transfère par fonds et bien l'État prend 1,50$ là-dedans et c'est comme ça qu'on prend pour construire l'école et bien entendu et réparer l'école qui est casée. Bon, c'est l'agence qui a servi à ces kits scolaires pour tout le monde, etc. Donc c'est dans l'agence qui a prend, même s'il n'y a pas un compte rendu qui fait total sur la quantité de l'argent et qui a l'argent dépensé, mais au moins, et de temps en temps, le gouvernement fait connaître que c'est là le point comme ça pour le financer du travail à partir de l'argent que la communauté internationale a tout bail, c'est de l'autre pays aidé tout dans l'éducation, surtout par exemple pays comme le Japon, États-Unis, et qui a une fondation du GICEL tout qui construit un paquet d'écoles dans le pays pour justement pour des contributions par une éducation. Et de là, c'est qu'on parle dans ça. Non ça oui bon m'pa connait non mais m'dit d'où pour ça que de la sécurité là c'est ça ou dit c'est ça que président Martin il était prendre décision de prendre tu as les yeux toi le faire et gouvernement dit que de temps en temps il dit que il prend tant comme non tant comme dans $50 là qui n'en font ça il prend mais ça va faire avec pour construire l'école pour faire tel bagage. Donc, je ne sais pas si j'ai des informations, mais oui, il y a des gens qui ont une transparence plus sur la façon que l'agence a utilisé. Parce que si tu as plus de transparence, peut-être nous-mêmes dans la communauté haïtienne, dans la diaspora, nous devons contribuer plus pour aider et puis à avancer. Et même pas seulement pour l'école, mais nous devons contribuer pour organiser l'autre bataille. En tout cas, le premier ministre lui-même dit que lui-même, année ça, son année. Et côté pour reconstruire le pays, côté pour toutes les institutions qui sont écrasées, pour construire tout le bail. Voilà, c'est comme ça, ça est. Et le dossier Abinader là, pour nous-mêmes, le gouvernement dominicain a publié un arrêté sur l'immigration, côté qu'il fixe prix pour le visa. Visa de séjour, permis de séjour pour être dans la République dominicaine. Et normalement, les 30 premiers jours, au cas où était dans le pays, il y a des gratis normalement. Au-delà de 30 jours, il y a un frais pour payer solidarité plus. Et il faut aller jusqu'à 10 ans. Quand on va payer, ou payer pour être. Bon, il y a d'autres conditions certainement pour remplir. Mais il y a publié une liste qui baille tarif que la coûte. Je crois qu'il y a jusqu'à 10 ans. Donc, si vous voulez rester pour un mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, trois ans, cinq ans, je viens avec plus d'état parce que son monde qui veut le bon moins, nous faisons un coup de très rapide sur lui. Mais seulement, c'est pour. Parce que vous comprenez que les Haïtiens qui ont vécu en République dominicaine, ils ont dit qu'ils ont checké. C'est-à-dire qu'après un mois, ils ont checké, ils ont payé $20. C'est qui va l'encombre là, en plus. Ils ont payé $20 et puis ils ont été sous-bourg. Et puis, ouvrir ou retourne encore. Donc, chaque mois, il faut retourner à l'Altier encore. Au-delà de ça, vous êtes censé illégal dans le pays. Donc, les Dominicains, vous connaissez mettre une liste d'heures. Donc, et nous consulté, nous avons regardé dans le liste d'Yayo, libéré,
Et si ma fille pour que cette information son on camarade qui veut le bon moi et dit que me partager nouvelle ça. Mais surtout pour nous mêmes qui au Mexique mes amis pas chercher traverser vient au Texas bien que loi pour entrer en application bien Dieu. Loi pendant en application en mars 2024, gagne l'autre partie dans loi en tout cas entrer en application février 2024. Donc qu'on y a c'est ça pour nous faire mes amis, c'est prendre rendez-vous. Rendez-vous à partir de l'application CBP Ronan. CBP et CBP Ronan, justement, pour nous capables et de demander asile, ça nous vient faire, mais point rendez-vous, pas avant. Et autorité CBP, donc, et c'est autorité de la douane avec protection frontalière, eh bien, il interdit tout voyage, mon voyage dans le train. Ceci au Mexique pour venir dans deux côtés dans pour venir c'est El Paso avec c'est El Paso avec Eagle Pass parce que ils ont réalisé ils ont détecté que contrebandier ils ont fait immigrer passer à travers un certain de trains qui sortit train commercial capoté cargo et puis ils mettent immigrants là-dedans ils font entrer et que ce soit dans Eagle Pass ou Eagle Pass, eh bien, CBP interdit ça qu'on y a. Donc, train pas qu'à venir jusqu'à nouvel ordre, train pas qu'à porter passagers là-dedans encore, parce que j'étais sûr que c'est là que le contrebandier était utilisé. Donc, l'autorité CBP, on dit que pour travailler avec l'autorité mexicaine pour casser ou bien pour éliminer tendance à y avoir cap développé avant que le contact. Voilà, donc, pas oublier. Si vous avez besoin aux États-Unis, il y a plusieurs moyens. L'autorité américaine met des moyens à la disposition. Il y a 4 mois, il y a des citoyens de 4 pays de façon que vous aux États-Unis de façon légale. Quel que soit l'autorité, vous avez des gens qui font application pour vous, qui habitent aux États-Unis, qui font application pour vous, ou pas besoin en Haïti. Quel que soit l'autorité, même si vous êtes au Mexique, vous êtes capable de venir quand même. Et puis, il y a tout que. Donc, utilisez-moi un salaire en attendant, un moyen de combat qui fait. Voilà. C'est ça que je vous dis. Jacques est tourné, Jacques est en vacances. Donc, M. Tourné là, bien frais. M. tellement frais là, même lunettes, il change de couleur. Donc, on a dit que M. Tourné a bien mené côté de l'Italia. Est-ce que c'est. Non, même mon lunettes, M. change de couleur. Donc, je dis à Nara, monsieur, dans la télévision, bon, monsieur est venu en plastique, donc monsieur c'est lui qui a présenté nous. Je suis dans le radio sur la télévision après-midi, donc moi-même, n'apprends quand même, oui. Monsieur toujours un petit espace dans l'air pour pouvoir présenter nous. Je ne parle pas de suite de bail et loi, nouveau proposition loi que le gouverneur de Texas a signé. Et dans l'occasion de journée internationale, l'Union et de s'en parler, puis il y a pas une situation en Haïti. Et puis, situation dans le pays d'Haïti, tout, nous avons un jour de Junior Saint-Ville, lui-même qui va parler de situation sur frontière. Nous apprenons que M. Katsumaro Zegelef, en pile des zones, dans la zone, dans sortie S, capitale là, n'a pas la zone là pour aller après quoi des bouquets. Et même chef en pile des ordres, il y a les boulets, il était diffé parce qu'il a perdu 3 membres. Et dans beaucoup de temps, quand il y a la police, monsieur qui avait été diffé. Et monsieur pour être plus dormi, parce que fait nous là, dans le commissariat qui est dans la zone. Donc, nous avons compris la situation de la police aux abois. La police prend 3 rois. La police prend un côté, il y a 400 morts qui sont dans la zone. Dans la zone Gantier. Il y a monsieur ça a toujours un autre groupe gang qui campait dans la sortie et nord là. Et puis il y a Mariani qui a un autre groupe gang qui établit là dans la zone. Donc monsieur policier, et puis dans 8 ans, nous avons monsieur Isoyo, nek Gravigno. Donc la police n'a pas de problème et j'ai fort fait pour que. Il dit que la police n'a pas fait travail, ça, qu'il voulait le faire, il n'est pas entraîné pour ça. Il a demandé pour que c'est à de l'armée que tu as de venir, mais la communauté internationale a dit lui-même qu'il n'est pas financé. Et ils ont l'armée en Haïti, lui-même, c'est pour ça, la force seulement pour faire travail là. Dans l'attendant que l'autorité a annoncé que Kenya, probablement le premier contingent, et les policiers qui sont capables de vivre en Haïti, c'est même pas ça que les Nations Unies disent tout, capables de vivre en Haïti à partir de la premier trimestre et 2024 là, pour venir aider, non, surtout et préparer le terrain pour que
très certainement élection capable de dérouler. C'est là nous capable qu'on y a là. Donc ces services là sont d'aller en aller en vacances tout les gens, les vont congé tout. Donc Jacques est encore là avec nous là, donc tout monsieur là Fred en vacances tout. Et gentil là, donc tout nous là. OK. Passez bon après-midi. On a dans Fred Diap manger nous bois ici, on connaît nous gain soleil côté nous, on est content pour nous. Moi même Fred Diap manger bois, nous quand comme janvier là, c'est même au vieux frère dans prochain parce que même qui étant glacé là. Même si je suis là, je suis là pour la glace. Donc, passez bon après-midi, encore une fois, là-bas. On va aller demain, et puis on va aller plus tard. Bye bye.